Welcome back. You're still on to Good Morning Cameroon. And as we promised, 7:30, it's time for press review. Nassis Moultrie is here. Good morning, Nassis. Good morning, Shinda. You sound a little tired this morning. Yes, you know, it's not easy to get up very early every day. You know, I all know that, you know very well that we our week was not just easy. It was very charged. Very, very, very we're crowded, you know, with a lot of work. But we thank God we are... We can get up, we can still have that energy that we've been sharing with our televiewers. I also thank them for their daily motivation. Yeah, that's true. Mm-hmm. Well, we also thank God that it's Friday. Yes, and that we can rest a little Friday. Bit, at least not wake up at 4. I forgot that today was Friday. I can never forget. Oh my I always count. I'm always counting. Friday is my favorite day of the week. Okay, Nancy, so we'll go straight to what the papers are saying. You have the floor. Yes, I do have the floor. You know the routine on the show. We're going to begin with the papers in the English language, and of course, we'll later look at those in the French language. We'll go paper after paper this morning. We're beginning with the Guardian Post Daily of this Friday morning, and the big one today on peace mission in Bamenda. The paper reports PM Dion Gute says dialogue, yes, but secession not on agenda. Paper, of course, is reporting on the visit, the very first visit of Prime Minister Dion Gute to the city of Bamenda, to the northwest region of Cameroon. And, of course, on the front page of the paper, there's a picture to illustrate that story with the caption, PM Dion Gute adorned in northwest traditional regalia on arrival in Bamenda yesterday. The details of that story appear on page 3 of the newspaper. In religion, the paper reports on the Hajj of this year and the presidential assistance. It writes, Bia assists 2019 Hajj pilgrims, pardon me, Bia assists 2019 Hajj pilgrims with 1 billion franc CFA. The details of that one appear on page 2 of the Guardian Post Daily. This other story, we're talking about Kribi just a few minutes ago, and on page 6, the paper treats this report. Oswald Babuke preaches peace stability at Kribi Youth Forum. The paper asked the deputy director of civil cabinet at the presidency was the personal representative of the head of state at the ceremony. To get the details, you have to flip to the inner pages of the Guardian Post Daily. And let's look at this other one that concerns the telecommunications company Nextel. Lies, in quotes, the paper says, Vietnamese government's envoy told Prime Minister about Nextel crisis. Details on page 5. On a rather sad note, the paper goes back to the death of the former DCC, the presidency. The life and death of Bia's former right-hand man, Bilinga, able to. More on page 7 of the newspaper. Now let's look at the post weekender. It's true that we talked about the post weekender yesterday, but we'll quickly go through this. There's a few stories again on the front page because, of course, it's aimed to carry to run through the weekend. So the main one for the weekend, Belinga Ebutu, former de facto vice president, dies in Switzerland. Of course, revisiting the death of the former director of civil cabinet at the presidency of the Republic, Martin Belinga Ebutu. And you can read up on the story on page 11 of the newspaper. And about the conflict between the Southwest governor and the Southwest chiefs, the paper writes, Southwest chiefs split over governor's demeaning march past order. You can read up on page 2 of the newspaper. And the paper also quotes Lawan Bako saying, for belittling chiefs, Bia should sanction Southwest governor. That one appears on page 8 of the newspaper. And in politics, on page 3, the paper reports, CPDM bans party regalia during Prime Minister's visit. Of course, the Prime Minister who is in the northwest region of the country. To end this first part of the press review today, we're going to look at the Lone National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. And the stories in the English language on the front page today, we have two of them.
And the first one is on the 47th National Day, the paper reports. Official launch of activities today. Now, the locality of Kobdombo in the Inyong and Fumo division of the Central Region will host the official kickoff of the of events, marking the 47th edition of the Unitary State in Cameroon today, May 10, 2019. Of course, Cameroon Tribune is going to be running a series, and we'll look at all the realities of living together in Pinja, that is in the littoral region of Cameroon. That story, you read it from page 6 down to page 8 of the newspaper this morning. And this other one, an economy made in Cameroon products, processing, marketing, gaining ground. An interesting story on the economic interest grouping of Cameroonian agri entrepreneurs, which serves as a platform for education, training, coaching, networking, and promotion of access to capital to accompany entrepreneurs in this sector. Organized, we are told, the trade fair in Yaoundé, and it was on. It ran from May 7 down to May 9, 2019. And we hear that stakeholders were boosted, of course, in the sector. You can read up some more, page 10 and 11 of Cameroon Tribune. Well, that's what draws the curtains on this first part of the Press Review on Good Morning Cameroon this morning. You know what to do to get the details and the rest of the stories. Go to the newspaper stand and buy yourself a copy or copy yourself the papers. Also, you can subscribe and read online. It's now time to look at what the birds are saying in the French language. Yes, thank you very much. Merci, Manda, pour cette belle passe. Hein. On va donc poursuivre avec la version française de la revue de presse sur Spectrum Télévision ce matin à 10 jours de la fête de l'unité. On en reparle donc tout à l'heure avec cette grande marche de l'unité qui se prépare du côté de la mairie de Douala Premier. La marche est prévue demain, on en reparlera donc tout à l'heure. Mais commençons déjà avec la première partie de cette revue de presse réservée à la revue transversale, quatre faits majeurs. Premier fait, crise anglophone avec en prime la visite de travail du premier ministre chef du gouvernement John Goûté à Bamenda. Le rapport Union européenne-Cameroun, délégation permanente de signature à la présidence de la République et la lutte contre les désordres urbains avec en prime le nouveau dégât de la police municipale du côté de la capitale politique. Commençons donc avec le premier fait majeur. On l'a dit, crise anglophone. Que peut Joseph John Goûté? Il est donc à Bamenda depuis hier pour une visite de travail. Mutation en parle ce matin. Le journal nous rappelle tout simplement que le premier ministre chef du gouvernement, John Goûté, est à Bamenda pour voir dans quelle mesure désamorcer cette bombe. On le saura donc en allant donc en kiosque pour ample information. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Au fin de ceux de Goûté, à la bonne source. La nouvelle expression en parle également. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal. Bamenda, John Goûté accueilli par une manifestation arrivée dans la capitale régionale du nord-ouest du Cameroun hier pour une première sortie officielle. Le premier ministre est tombé dans une bruyante manifestation de protestation des femmes, indique la nouvelle expression ce matin de Séverin Tchunke. C'est en page 3, cette information on ne peut plus brûlante. Le messager en parle également ce matin, crise anglophone, que peut Joseph John Goûté dans le nord-ouest du Cameroun, grosse interrogation, et puis également dans le sud-ouest. Le journal précise à ce propos que le premier ministre en campagne pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis hier. Restons toujours avec le premier sujet, cette fois c'est Cameroun et Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui en parle également à sa grande une ce matin. Nord-Ouest, le gouvernement relance le dialogue. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté, a entamé hier à Bamenda une visite de travail officielle, il faut le préciser, de 4 jours. Au menu de cette descente sur le terrain, les échanges avec les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les parlementaires, les opérateurs économiques, les syndicalistes et bien d'autres acteurs. Objectif, un retour définitif à la stabilité. Premier écho de la visite, c'est en page 2 et 3 du quotidien bilingue Cameroun Tribune.
Pendant ce temps, l'œil du Sahel nous dit que plus de 5000 déplacés sont du côté du Mayo Bagno du fait de la crise anglophone. Cette actualité est bien développée en page 6 du dit tri-hebdomadaire piloté par Gibaye Gatama. Intéressons-nous maintenant au second sujet qui lui porte sur ce rapport Union européenne et le Cameroun. Le Jour en parle ce jour et ce jour, le journal, bien sûr, veut bien s'intéresser à l'affaire Ekamto, à l'affaire à la crise anglophone et à l'accord de partenariat économique. Le journal fait lire à sa grande une. L'ambassadeur de l'Union européenne parle. Que dit-il? Le journal vous invite donc à la page 5 à suivre cette interview exclusive de Hans-Peter Schadek. Rendez-vous en kiosque, ne perdons rien à faire un tour de ce côté. Et puis le même journal qui veut bien nous dire de cette déchirure au sein de la Commission des droits de l'homme. Les différents membres ne s'accordent pas sur la politique à mettre en place pour la résolution de la crise anglophone au Cameroun. On fait donc un tour en kiosque pour voir comment le jour de ce jour a traité cette information ce jour. Il faut dire également que le journal Hot News en parle ce matin. Cameroun, Union européenne. Organisation des Nations Unies, Michel Bachelet salue la grande sagesse du chef de l'État. C'est ce que nous dit Hot News ce matin. Ample précision, c'est en page 4. Quant au troisième sujet, il porte sur la délégation permanente de signature. Deux journaux en parlent ce matin. Info Matin Quotidien, à la grande une, fait lire délégation permanente de signature, un vrai faux débat. Daïdjo Abia, tous les secrétaires généraux à la présidente de la République ont bénéficié de cette faculté et qui n'est pas une délégation de pouvoir. Précision faite ce matin par Info Matin. L'information est contenue en page 3. Réalité Plus en parle également. Le journal qui veut bien sûr être à la pointe de l'actualité. Délégation des signatures. Voilà l'information qui bat la grande une de ce journal. Ferdinand Gongo, le lynchage se poursuit. Précise donc ce journal qui indique également que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a accordé le 5 février 2019 une délégation de signature au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo. Depuis lors, une bande d'ennemis de la République et impitoyables jaloux sont montés au créneau par presse interposée et à travers une campagne de sabotage dans les lieux publics pour alimenter les intrigues, les polémiques inutiles et présage son échec en le comparant à certains de ses prédécesseurs qui ont des problèmes avec la justice. Ainsi se présente la lecture de Réalité Plus autour de cette information qui porte sur la délégation des signatures, une signature qui a donc été faite par Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République. Pour ample précision, Réalité Plus lui donne rendez-vous en kiosque ce jour. Sortons de cette première partie avec le quatrième fait qui lui porte sur la police municipale à Yaoundé. Émergence qui est aussi en kiosque ce matin en parle. Émergence qui nous dit à la page 3 que la police municipale crée encore un désastre dans la capitale politique. Et comment? Allez le savoir en kiosque ce matin. Il faut dire que mutation en parle également. C'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal. Police municipale et retour en gaffe. La rentrée de Awara a viré hier à l'émeute du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Des blessés enregistrés parmi les motos taximènes après les altercations. Mutation à la page 7.
Et puis il y a aussi le jour qui en parle. Il faut déjà rappeler avec ce journal que cette situation le peu plus déplorable s'est déroulée du côté de Colbison, c'est à Yaoundé. Les mototaxis ont donc exprimé une vive colère. Qu'est-ce qui s'est exactement passé le jour de ce journal? Rendez-vous ce jour en kiosque. L'information est contenue en page 2 et 3. Intéressons-nous maintenant à la deuxième et dernière partie de cette revue de la presse consacrée à d'autres faits d'actualité traités par la presse locale et continentale. Et de ce fait, on va commencer avec le quotidien de l'économie qui a bien voulu mettre un accent particulier sur la gouvernance. La Chambre d'agriculture sans président depuis mai 2018, depuis le décès de Janvier Mongui Sosomba, le régime intérimaire reste en vigueur 12 mois après, précise le quotidien d'économie qui veut également nous mettre au parfum de ce climat social et des dossiers de microfinance agricole encore à la traîne. C'est en page 3 et 5. Le journal a bien voulu également nous parler d'un événement acte d'heure du salon régional du bâtiment et de l'immobilier à Yaoundé. Information contenue en page 6. La nouvelle expression veut bien qu'on s'intéresse aussi à d'autres faits d'actualité. Par exemple, la fête du 20 mai et qui se prépare déjà dans la plupart des régions du Cameroun. Le préfet d'Unkam et l'argent. Comment comprendre cette information? On retient déjà avec la nouvelle expression que l'autorité administrative dit avoir besoin de l'appui financier des forces vives de sa circonscription pour l'organisation de la fête nationale de l'unité. Et dans la ville de Douala, plus précisément à la mairie de Douala Premier, une marche de l'unité est donc prévue demain dans cette circonscription administrative. Et le maire Lengue Malapa qui invite toutes les populations à adhérer à cette marche, comme il en est d'ailleurs de tradition. La marche partira donc de la salle des fêtes d'Akwa jusqu'à la Besseke, place du défilé où des manifestations se dérouleront. Histoire donc de chanter à l'unisson l'hymne à la paix, l'hymne à l'unité nationale et au vivre ensemble. C'est donc demain, très tôt à la première heure, à 6 heures, rassemblement, salle des fêtes d'Akwa. Monsieur le maire Lengue Malapa invite donc toutes les populations à se mobiliser massivement. Et puis on poursuit cette revue de la presse avec l'œil du Sahel qui nous amène à l'université de Ngaoundéré. C'est du côté de Tchang, à l'ouest du Cameroun, où se déroulent donc les Jeux universitaires universels de 2019. Et à ce sujet, l'œil du Sahel de Giba Igatama nous fait lire ce matin que Ngaoundéré fait rayonner le Grand Nord dans cette partie du Cameroun dans le cadre des Jeux universitaires du Sion 2019. Et puis le journal s'est également intéressé à l'eau potable. C'est une information qui barre la grande une de ce journal. Les 409 forages à construire dans le septentrion en 2019. Information contenue en page 4. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Et puis Hot News qui nous invite également à avoir la dernière information sur le Hajj 2019. Le grand geste du président Paul Biya au pèlerin intéresse bien nos amis de Hot News ce matin. 1 milliard de subventions. Le journal précise à ce propos que les pèlerins iront à la Mecque comme en 2018 grâce à l'aide du chef de l'État. 2 milliards de francs CFA. Le prix du Hajj de 2019 est maintenu à 2 242 000 francs CFA. Comme en 2018, les musulmans disent merci à Paul Biya, indique le journal Hot News, qui met aussi un point d'honneur sur le plan d'assistance humanitaire d'urgence, le MINAT, qui prescrit la transparence et la traçabilité. Information contenue en page 6 du journal Hot News, disponible en kiosque ce matin. Et enfin, le messager du directeur des publications Jean-François Chanon veut bien qu'on s'intéresse aussi aux législatives et municipales. Guerre des candidatures entre Cabral Libye et le professeur Nkun Vondor. Les leaders du mouvement 11 millions de citoyens et du parti Univers sont à couteau tiré, précise le messager qui nous donne ample information
à la page 4. J'espère que vous avez été servi. Reste maintenant que vous fassiez un tour en kiosque afin d'avoir tous les détails au sujet de toutes ces informations qui ont été évoquées. J'espère que le directeur du cabinet de la mairie de Douala Premier, Gérard Ike de Mateke, se prépare déjà à faire un tour en kiosque avant de réappliquer au bureau. On profite mandat pour adresser un bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Je pense à la famille de Gérard Ike de Mateke, je pense à la famille de Jacques Silver Boni de Douala 4e, je pense aussi au directeur du cabinet de la mairie de la 5e, et qui a certainement à l'écoute de cette revue de la presse, a oublié son maire, hein, monsieur Gustave Banda, sa majesté, faudrait-il le dire. Et puis je pense aussi à la famille Mboler, à la petite Michel Audrey Dalila et à Queen. Oui, c'est Queen, non? Attends, j'oublie le nom. Oh là là, oui, j'ai pas le nom. Non, Queen. C'est that Queen. Tends to happen. C'est Queen Daniela. Non, c'est Queen. C'est Queen Daniela Ayuk. Right. Voilà, qui est à l'écoute de cette émission this morning. So, without leaving out those in Limbe, Boya, Bamenda, Garoua, Kusiri, all those lovely listeners that we sure they are there. You know, they are watching us. That's right. There's somebody on YouTube who said, he likes the way you speak, you know, that you're natural. And but I told the person that he should be careful because you're a package that is already, you know, secured. I'm not even going to comment that. No, I'm not sure. Oh, the comment pas le commentaire. I'm not sure the link between what you said and somebody saying quoi? You like the way I speak. I mean, même Gérard Ike de Mateke apprécie la façon dont tu t'exprimes. Well, thank tu you. La presse. Thank you to you for transmitting the message. Thank you to the persons for. Je le fais gratuitement. For gratuitement. Saying those nice words, it goes to warms my heart. You know, I like that. I like, you know, sharing out good news. You know. Mm-hmm. All right. Talking about good news, Narcisse Mousseau, we realized that almost all the papers are reporting this morning on the Prime Minister's very first maiden visit to the city of Bamenda. Mm-hmm. So far, what's your assessment of what this visit has been looking like? Yes, I think that is his first walking visit since he was appointed Prime Minister. I think it might be a good sign. You know, we know the population of the Northwest and Southwest, we know that the situation that they are facing now is somehow a little bit complicated, a very sad situation. I think what they need is those official, you know, members of government to come down there, and they have to dialogue. Yeah, they have to dialogue, and that's what they need, you know, dialogue. I mean, I'm sure that after the visit of the Prime Minister, Joseph John Goute, we might have some sign of good solutions. We hope so. But that would be amazing, huh? You know, what if after Joseph John Goute, the head of state himself, goes down there? Well, that would be something. He's the father of the nation. So when his children are crying, I think it is normal for him to go there, to be beside his and children. And listening ears. That's what they're asking. That's the little thing that they're asking. I don't know why. Anyway, I think it should be on the pipeline. I'm sure his things are, they're working things out for him to go down there and talk with his children. Well, the past couple of days, we've been, you know, reading tweets from the presidency, from the president himself, and he's been talking about forgiveness and, you know, talking about dialogue, saying he was ready to dialogue and all of that. Maybe. Meaning that he's also ready to go down there? No. Well, that we cannot say for ourselves. We can only wish, right? We can only wish and. But I'm convinced that he will. Okay. He will. I like your conviction. He will. Hopefully, he will. If it he does, Narcisse Mousseau, like we said, it will be amazing if we can find a solution to this crisis. I'm sure. Trust me, every Cameroonian would be the happy. The presence of John Goute there is already a good sign. Mm-hmm. You know, nobody knows how tomorrow looks like, but I'm sure he will be there. He will say something about the crisis. He will talk to and with his children living in the Northwest and the Southwest region of the country.
Oh, well, we'll see how the next couple of weeks, months go, and we'll see the development, if there's any, of course. We are always glad to share with you. We are all mansons de la paix. Mm-hmm. Of course, oh. We all want peace in Cameroon. Of course. I mean, personally, I definitely want peace. My family, I'm directly affected because my family, and my knowing friends. Knowing that a new person is coming to this world, he had to come to this world Absolutely. In a peaceful environment. No, with gunshots. No. And things like that. No, everything will be okay. Yeah, we hope so. Or everything will be okay. What I'm sure of is that, God loves this country. God loves every country, huh? Yeah, particularly Cameroon. No, he loves every country. No, particularly. There's no particularity. I do insist. We are all children of God, whether we're in Cameroon, course, Nigeria, we are but in I'm the telling US, you, or if we're in comparing, Mexico. In comparison with other African countries, you know, we know what is happening there. I don't want to make mention of those countries. War every day, people are crying, people are dying, people are suffering. Now, God especially loves Cameroon. That's what I'm not saying that he doesn't love other countries, but that's he what loves. Is, I think God loves us all equally. Yes, of course, he loves all equally, but Cameroon is very special. Right, since the right, are you on the right hand or the left hand side of God? Of God, no. I mean, both sides. Right, left and right, of course. At the same time, he has to have it all. Thank you so much. I hope you have an excellent weekend. I'll see you on Monday, right? Hopefully. All right, and now that does it for the press review this morning. We're going to continue. Good morning, Cameroon. We'll get a piece of music, and right after that, it's going to be news. You don't want to miss the news, okay? You need to get informed, so stay tuned.